Bonjour, bonjour mes petits chats. Donc on est mardi, il est 8h01 et on est le 7 février. Donc il a bien gelé. Il fait un peu de brouillard. Donc moi j'étais déposée à l'âne un bout de route. Et franchement, ça a piqué au doigt. Franchement, waouh. Dis-moi mes ressentis 4, mais franchement, il fait froid. Oh là là. Et je dois repartir là après à 9h déposer un colis parce que j'ai vendu un t-shirt sur mon Vinted. Et du coup, depuis, normalement, je devais l'envoyer avant samedi. Du coup, j'ai renvoyé un message à la dame. Enfin, en plus, c'est pas une Française, c'est une Irlande, en Hollande, vous savez, Pays-Bas. Donc, je lui ai expliqué la situation. Elle me dit, bah, c'est pas grave si c'est annulé. Je refais, puis voilà, très gentille cette dame. Donc hier, j'ai été à mon carrefour, je pensais que là-bas, il prenait les trucs. Elle me dit, ben non, madame, non. Oh là là. Donc j'ai un tabac là, j'ai tapé sur Internet relais, je sais pas quoi. Ils disent qu'elle prend. Donc écoutez, ma foi, je vais aller tout de suite à 9h. Si elle me dit, je prends pas, ben je sais pas comment je fais. Pff, ça me saoule. Alan, il n'y a que l'école jusque 10h, parce qu'il y a des grèves aujourd'hui. Donc, il n'y a que français et maths. Donc, il finit à 10h05. Niveau ménage, ben, j'ai rien. J'ai ma petite vaisselle là. Mais je voudrais bien finir là, là. Garder lui à ses affaires par terre. Du pied là au pied là. Mais je vais le faire après. Je vais aller tout de suite au tableau là à 9h. Et puis, comme ça, dès que je rentre, je m'attaque à ça. Ben, je vais passer aussi au boucher. Parce que ce soir, c'est lasagne. Ranger ça. Je pense que demain, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, parce que j'ai l'esthéticienne qui vient pour 13h. Donc, est-ce que ça vous dérange d'avancer le live à 10h? Allez, 10h30. Vas-y, 10h30. À la place de 11h. Oh, il part travailler, jeune homme. Donc, dites-moi. Sinon, c'est pas grave, on laisse à 11h, quoi. C'est pas. Mais je l'arrêterai avant midi, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je devais dire vous deux? Donc les chambres sont faites, les fenêtres sont en noeud soleil battant. Bah, tous les matins, de toute façon. Là, je parlais déjà avec une abonnée par message. Elle me fait rire. Et normalement, je dois aller chez elle là, la semaine prochaine. Comme je dois aller au centre commercial de Hennebont et qu'elle reste pas trop loin. Elle m'a dit, viens à ma maison. Elle dit, je vais acheter des petits gâteaux. On va boire le café, on va papoter. Donc j'ai dit, ah, pas de souci. Et je passerai. Il n'y a pas de souci. Voilà quoi. Donc je vais chez une abonnée la semaine prochaine. Je dis, quand c'est dans les alentours, je m'en fiche. Quand je vais avec avec ma fille, puis voilà quoi, on s'arrange. Et puis voilà quoi. Voilà, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Parce que j'aimerais bien faire une vidéo blabla, mais j'ai peur que j'ai pas assez. Après, que veut dire, t'as son ménage là. À part là, faire mes joints là, j'ai rien à faire, puis ramasser les vêtements. Mais passer le balai vapeur là, après, j'ai rien à faire quoi. Parce que je voudrais finir ce coin là, là. Même demain, comme l'esthéticienne, elle vient, je crois, parce que ma fille, elle vient, mais est-ce qu'elle va, elle va pas repartir tout de suite, je pense pas. Je voulais faire ma salle de bain pour vous mettre vendredi, si jamais monsieur travaille pas. Ben, je crois que je vais décaler. Donc, je passe côté ben, salon. En fait, je me suis pris d'une motivation, là, d'un coup. J'ai dit, bah, allez, Nat, il n'y a pas, on n'est que mardi, hein. Le lundi et mardi, t'es bien productif. Ça, après le jeudi, moins. Et vendredi, ben, c'est une cata. Donc, je me dis, le lundi et le mardi, t'es à fond dedans, t'es bien productif. Donc, on y va. Donc, je me suis motivée, j'ai tout enlevé. Qu'est-ce qu'il y avait devant ma porte-fenêtre? Et puis, j'ai fait toutes les poussières et tout ça. Donc, je vais vous papoter pour pas mettre de la musique, vous savez. Donc, je vais vous raconter un peu tout et n'importe quoi. Si vous attendez la porte entre deux, c'est parce qu'Alan est devant, il est en train de jouer avec un copain, mais il suffit qu'il rentre pour boire ou quoi. On ne sait jamais. Hein. Après, comme je dis, ça vit. Hein. Il faut que la maison, elle vit. Hein. Même que c'est un montage vidéo, il y a du bruit. Et ben, moi, voilà, ça vit. Même moi, là, je suis assis dans mon canapé. Parce que je vais faire le montage tout de suite. Comme ça, je vous le mets sur YouTube. Et puis, moi, je peux finir. Enfin, on peut manger déjà avant. Et après, je peux finir. Parce que comme.
Je fais la vidéo en deux fois, donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout, jusqu'à la fin même, t-shirt. Parce que je vous ai posé deux questions. Donc au niveau du bruit, moi je suis dans mon fauteuil là, et puis il y a des moments je claque ma pantoufle en fait par terre. Vous savez, donc si vous attendez des petits bruits, c'est moi quoi. Le soleil, il est là, le brouillard, il est parti complètement, donc il fait douf, non, je dis des bêtises, il fait encore froid. Par rapport à hier, il fait froid aujourd'hui, mais le ciel est bien bleu, quoi. Après, moi, je préfère hein, du temps sec, comme ça, c'est nickel pour moi. Et je vous dis, comme il fait du temps sec et tout, ben, j'ai presque pas mal au dos, en fait. Hier, j'ai pas eu un moment quand j'étais faire 2-3 courses que je suis partie vite fait. Monsieur est rentré, t'es quelle heure hier? 16h15, je crois. Et comme je vous disais, je devais envoyer le colis, là, Vinted. Du coup, je dis, bah, écoute, il me dit, tu vas à Leclerc en course. Je dis, ben non, je vais à la Carrefour. De toute façon, il me faut pas beaucoup. Je ferai mon plein lot samedi ou vendredi, éventuellement, s'il travaille pas. Et je dis, ben non, viens, on va à Carrefour, je vais aller déposer. Le colis Vinted, je pensais que là-bas il prenait en fait. Comme c'est un tabac au fond, j'ai pu me faut deux trois trucs, j'irai à Carrefour quoi. Et Alan, il était au City, il joue au City, il avait fini à 15h50. Il avait pris sa clé, il me dit des fois que je dis t'as bien raison, tu vois. Après il y a 12 ans, hein, faut le laisser se débrouiller quoi, qu'il devient autonome quoi. Du coup j'étais jusque là-bas tout de suite. J'ai fait 2-3 courses, j'ai pas pris grand-chose. J'ai pris des bananes, j'ai repris des oranges à jus, j'ai pris un paquet de cacahuètes pour monsieur, ce qui adore les cacahuètes. Et puis quand vous rentrez dans mon carrefour, il y a tout un côté. Je pense que ça doit être bas prix, là. Pas éco plus que Carrefour, ils font pas, mais tous les paquets sont blancs et l'écriture à l'en noir, enfin bref. Et il y a 89 centimes, donc dites-moi si c'est plus cher à Carrefour ou c'est moins cher à Leclerc. Je vais regarder, de toute façon, à Leclerc, je vais aller l'autre façon. Donc voilà. Mais après, nous, la gamme Eco Plus, nous, on a déjà essayé, nous, on n'aime pas. Hein, nous, à part là, les cacahuètes, mais sinon, qu'est-ce qui est viande, boisson. Oh, une fois, on avait pris la purée mousseline, là, genre de purée mousseline. Oh. Non, non. Il y en a, ils aiment, mais après, comme je dis, chacun ses goûts et ses couleurs, quoi. Moi, je préfère vraiment prendre la marque du magasin. Donc, petite info pour venir aux marques du magasin. Leclerc, si vous allez à Leclerc, j'ai vu ça quand? Je sais plus. Si vous prenez des briquettes de sauce, comment je peux vous dire ça? C'est pas les concentrés de tomates, c'est pas les tomates appelées. Oh, c'est liquide en fait, je sais pas comment, une purée de tomates peut-être. Eh ben regardez bien, faites bien attention, la marque Panzani, elle est moins chère que la marque Repère. Donc quand on dit bien regarder les prix, regardez, je les signale à mes filles, hein, comme ça, voilà. Donc je disais ouais moi en course je vais à Carrefour, je prends la marque Carrefour. Sauf, hein, je regarde, c'est comme là, comme je vous disais, pour la tomate, je vais prendre Panzani. Donc hier, en revenant à nos moutons, donc j'ai pris un paquet de cacahuètes. J'ai pris un oasis. En plus, ah bah attendez, j'ai mon ticket là. Bah attendez, je me débranche que mon téléphone est en charge. Bah au moins je vous papote et puis vous regardez le ménage en même temps. Hein. Je sais pas, comme ça, je vous dis pas, bah regardez, je passe l'aspirateur, regardez, je passe. Voilà. Alors, Carrefour. Aïe. C'est le bordel dans ma cuisine. Bah, j'ai pas fini. Attendez, je pose le téléphone. Alors, est-ce que c'est celui-là? Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pris 1 litre Oasis Tropical, 1,5 litre, au prix de 1,99 €. J'ai pris un sachet de Emmental râpé 100 grammes qui est à 0,99 €. Centimes, lui, ça va, il n'a pas monté, parce que ça fait longtemps que je le prends et je serai même au même prix. Couscous moyen, 2,99 €. Ça, par contre, non, excusez-moi, c'est les oranges à jus. 2 kilos, ils étaient en promo quand on est rentré. Donc, oranges à jus, 2,99 €. Couscous moyen, c'était le plus petit, 500 grammes, 1,45 €. J'ai pris un paquet de BN, goût noisette, parce qu'à Leclerc, ils font les princes. Ma Carrefour, ils font pas en goût noisette.
Du coup, là, j'ai pris la marque BN, les BN, les gâteaux carrés, goût noisette. Et je regarderai Leclerc s'ils en font. Donc, attendez, BN, 1,75 €. Ah non, ben les cacahuètes, je vous dis des conneries. Pour 250 grammes, 0,68 centimes. Vous avez vu, je vous ai dit des bêtises. Hein. J'ai pris un blanc de poulet, enfin, un blanc de truc, je crois, c'est. Il y avait ces deux blocs là qu'on coupe pour faire des morceaux. 5,15 €. Je me suis pris sardine au piment pour moi. 1,45 €. Donc la marque du magasin. Sauce napolitaine, marque du magasin. Pour ce que hier soir, j'ai fait pâte. Et ça, les émincés de poulet. Enfin, c'est pas les émincés, c'est les blocs. Donc j'ai coupé en carré. J'ai fait revenir avec un oignon, une gousse d'ail, sel, poivre, un petit peu d'épices. Et après, j'ai rajouté ma sauce et tout ça. Comme ça, après, j'ai mis les coquillettes, hop, la sauce et le gruyère. Et puis, ils sont régalés. Donc, 0,87 centimes et banane, 2,33 euros. Donc, un total de 19,65 euros. Donc, voilà mes courses d'hier. Mais vous voyez que ça passe, ça monte vite, quoi. Hein, ça monte très 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 vite. Ah, donc voilà. Donc là, il est quelle heure? Il est midi 15 déjà. Regardez, il est déjà midi 15 quoi. Donc moi, je vais me faire ma semoule. Alan, il reste des coquillettes d'hier avec la viande et tout. Donc il va finir ça. Après, il reste encore des saucisses Naki. Si voilà quoi, il y a de quoi grignoter dans le frigo. Moi, je vais me refaire de la semoule par contre, donc je vais faire ma bouilloire tout de suite. J'adore la semoule. Il faudrait que je refais. Ah ben non, couscous, c'est vrai, on va manger ça. Ben, pas ce week-end là, mais l'autre week-end, c'est l'anniversaire de ma. Ah, je vais le ramasser de ma fille et son beau papa. Donc, le papa de mon beau garçon, il est marocain, donc il va nous faire un bon couscous. On va se péter le bide. Lui, il aime bien mon bouillon et moi, j'aime bien son couscous. Voyez? Comme quoi, hein? Attendez, je vais faire aller l'eau. Alors, attendez, je vais vous couper là et je vais faire aller. Attendez, comment je peux faire? Voilà, j'ai fait ma semoule. Je dis, je vais le faire tout de suite, comme ça, vous n'allez pas attendre la bouilloire. J'ai fait mon jus d'orange pressé. Je devais vous dire quelque chose et j'ai dû oublier. J'ai dit, bah, tiens, je vais leur dire ça, puis j'ai oublié. Ah ouais, je dansais sur. Bah, je peux pas dire le nom du chanteur ou quoi. Je peux pas, ouais, dire ça. Ah, il y avait deux belles musiques qui passaient, là, j'étais à fond dedans. Bah, c'est Maître Gims, si, non, c'est Maître Gims, sa dernière. Je l'adore. Mais comme j'ai mon mari, on l'attend souvent, souvent, souvent. Donc, c'est une chanson qu'on va vite se lasser, en fait. Mais dès que je l'attends, vous voyez, pour vous motiver, rien de tel de mettre la musique, mes petits chants. Et puis, allez, c'est parti. Go, d'habitude, je mets des vidéos YouTube. Là, je me suis dit, allez, je vais mettre la musique. Et puis, j'étais à fond dedans. Ah ouais, ça m'a motivée, mais un truc de malade. Donc, voilà. Donc, vous avez vu, j'ai fait mes joints. J'ai laissé poser au moins 10 minutes. Je l'ai laissé au moins poser le temps que le puff, là, j'arrive jamais à le dire, qui agit. Après. J'ai fait avec la serpillière et tout ça. J'ai repassé le bali vapeur. Et puis voilà quoi. Et après, j'ai redonné un coup de serpillière. Je vous dis, lui, il est bien, mais il laisse beaucoup de blanchâtre. Donc la prochaine fois, je le refais avec mon savon de Marseille, vous savez, de chez Lidl. Ouais, je le ferai avec mon savon de Marseille, de chez Lidl. Comme ça ne me fera pas de traces. Au moins, je pitch sur les joints. Bah, les brosses, après coup de serpillière, puis ça y est, c'est fini quoi. Donc, ensuite, j'avais nettoyé toute ma table. Donc, j'ai mis, faut que j'en rachète, j'en ai plus, lui. Le savon de Marseille, mais vraiment le savon noir quoi. Je l'ai rangé. Carolin, mais faut que j'en rachète. Je vais le noter sur ma liste, faut que j'en rachète absolument. Elle va trop bien, franchement, ce produit-là, pour le bois, franchement, nickel. Et même sur les taches de vêtements. Franchement, nickel. Donc, ma petite tabasse, je l'ai bien frottée. Et après, je l'ai retournée parce que, ben, y a des rainures. Et souvent, ben, là, il mange sur la petite table le midi. Et il y a plein de miettes ou quoi que ce soit. Donc, souvent, moi, je passe l'aspirateur dessus. Mais une fois par mois, je la retourne. Vous savez, comme ça, je la claque bien. Et puis, toutes les miettes, ils tombent. Et puis, je suis tranquille comme ça.
Donc voilà, donc je ne sais pas quoi vous dire maintenant. Oh, j'ai tellement papoté, papoté, papoté que je sais même plus quoi vous dire là. Alain, il vient de me dire, Camille, enfin, il est avec son copain, ils ont mis le ballon chez le voisin. Du coup, ils sont partis toquer chez le voisin. J'ai dit surtout, c'est bien bonjour, excusez-moi, être poli, quoi. Donc voilà, donc il est parti chercher le. Et après, j'ai dit, après, tu rentres manger. Parce qu'il est déjà midi et demi. Et à 14h, il veut repartir au City Park. Donc j'ai dit, bah oui, mais tu rentres manger. Et puis après, voilà. Donc là, il y a un petit week-end, puisqu'il y en va en vacances. Il y en vacances vendredi. Ah ouais, parce qu'il y a beaucoup, ils m'ont demandé, Alan, il est en vacances ce vendredi, nous, c'est zone B. Donc lui, c'est vendredi en fait. Lui, encore, ben là, il a fini à 10h. Le mercredi, il n'y a pas l'école. Donc il y a un petit week-end, on va dire. Et après, il y a jeudi, vendredi, et là, il y a 2 journées, donc 8h, 17h, et après, en vacances. Voilà. Et je reprenne le 27, je crois, le 27 février, je crois, nous. Bah, février va être vite fini. On est combien? On est déjà le 7, hein. Donc, il va vite passer février. Après mars, on a des belles journées. Fin mars, on change l'heure. Ça va encore nous chambouler, cette histoire. Moi, il va commencer la terrasse. Oh, ouais, comme ça, après, nickel. Et puis voilà, quoi. Puis après, ben, on va profiter. Nathalie va se mettre sur son transat quand il y aura des belles journées. Se faire prendre le café, prendre un peu de couleur. Après, comme je vous ai dit, si vous voulez faire des lives quand il fera beau l'après-midi, que je serai dehors dans le jardin, pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas du tout. Hein. C'est comme là, le live, je crois que je ne vais pas faire tous les mercredis en fait. Je crois qu'on va faire 2 mercredis par mois. Parce qu'après, je me dis tous les mercredis, peut-être qu'on ne saura plus quoi se dire ou quoi que ce soit. Donc, je ferai 2 mercredis dans le mois. Donc là, la fin d'année, je vous avais dit aujourd'hui, demain. Donc, on va rester à demain. Et puis après, on va attendre de fin février. On refera bien avec Alan. Et parce que la semaine prochaine, j'ai des trucs à faire. Comme je vous dis, je m'en vais avec ma fille, tout, hein, faire un peu de shopping et tout ça. Donc, on va se dire la deuxième semaine des vacances, on s'en fera un. Et puis après, on s'en fera un comme un là, début mars et puis fin mars. On fera comme ça. Parce que j'ai peur qu'après tous les mercredis, ça vienne rengaine et puis qu'on se lasse. On sait jamais. Hein. On sait jamais qu'est-ce qui. Hein. Donc, 2 fois, ouais. Donc, tant que je suis dispo. Hein. Après, moi, je vous dis souvent quand monsieur est en congé, je fais pas de vidéo ou une, mais pas plus. Comme là, il est en congé au mois d'août pendant 4 semaines. Donc, l'année dernière, j'ai filmé parce qu'on est parti une semaine à Honfleur. Et là, en fait, on va pas partir en vacances. On va aller un week-end à Paris. On va faire Disney ou Disney. Astérix, dormir une nuit à l'hôtel. Et puis, le lendemain, on ira visiter un peu Paris, quoi, faire le musée Grévin. Alain, il va aller voir le Stade de France. Donc, pas rentrer dedans, mais aller passer devant. Voilà, on va passer 2, 3 jours comme ça, peut-être pas au week-end, mais 2, 3 jours comme ça, quoi. Peut-être faire 2 nuits à l'hôtel, je vais regarder sur Airbnb, c'est ça qu'on dit? Airbnb? Oh, je sais plus comment. Je sais pas comment on dit. Là, par contre, sûr et certain, moi, je vais partir avec mon garçon. Il faudrait que je lui dise, là, on va attendre encore, parce que mes filles ne veulent pas venir. Donc, je vais regarder sur pareil, Airbnb, là, pour aller en Hollande, visiter, quoi, Tulipe et tout ça. Ne vous inquiétez pas, c'est pas qu'est-ce que vous pensez, hein? Nous, on n'est pas. Non, non. Parce que, ben, comme je vous ai déjà dit, moi, j'y allais en vacances 2 fois par an quand j'étais petite et j'ai été des années dans une famille d'accueil. Et. Ah, C'est bon, ça maman, c'est là. là-bas. D'accord. Tu fermes et tu vas manger? On mange quoi? Ben, les pâtes et la viande d'hier. Ferme la porte, s'il te plaît, Alan. Et la fille, elle a dit qu'on était bien éduqués parce qu'on a demandé la permission pour ça. Voilà, c'est bien, t'as vu? Donc, j'avais passé pareil 3 jours là-bas avec mon garçon, ma belle-fille. Moi, j'y vais avec Alan. Monsieur, maintenant, il m'a dit, je sais pas. Donc, écoutez, il vient, il vient, il vient pas. Eh ben, il vient pas. Ça y est, Alan, Je c'est prends une bon? bouteille d'eau. C'est bon? Il est pénible, là, il veut pas rentrer manger. Son copain, il est là, mais son copain, je dis, ben, ton copain, il rentre pas manger. Il me dit, ben non. Je dis, ben, ses parents, ils sont où? Il me dit, ben, chez lui. Je dis, ils vont pas rentrer, il a pas faim. Il me dit, ben non. Mais moi, je veux qu'il mange, quoi. Je veux bien qu'il joue dehors, mais voilà, quoi. Hein, mes petits chats. Oh, les jeunes, hein. Bah, on a été pareil en même temps, hein. On voulait toujours être dehors, nous aussi, hein.
Mais on n'avait pas les mêmes parents et on n'avait pas la même éducation. Voilà. Donc n'oubliez pas, notez sur une feuille toutes les questions que vous voulez me poser pour demain. Bon, j'espère que je ne vais pas bugger comme la semaine dernière, mes petits chats. C'était compliqué. Ben, c'est sur mon téléphone, mais je voyais les questions sur ma télé parce que sur le téléphone, là, je crois que je ne sais pas. Je sais pas. Après, j'espère que le son, ça va aller pour une abonnée. Parce que la semaine dernière, elle attendait pas trop bien. Ah, ben, je vais regarder, tiens, sur Amazon pour un micro, mais sans par Bluetooth. Je sais pas si ça se fait. Parce que, comme je vous dis, moi, je ne peux pas mettre de fiche dans mon téléphone. Je sais pas, ça a un nom, mais je sais pas. Donc, si vous voulez pas oublier des questions à me poser demain, notez-les sur une feuille. Et puis, comme ça, ben, je vous répondrai. Demain. Mais comme la semaine dernière, hein, des questions cool. Hein. Soyez comme la semaine dernière. Hein. Bon, mes petits chats, il est 1 h. Normalement, je devais finir le montage et vous l'envoyer sur YouTube. Mais Moyala en a mangé. Ah. Bon, mes petits chats, je vous reprends. Il est midi, moins le quart. J'ai tout reposé le temps que j'étais au téléphone avec ma fille parce qu'elle a son après-midi, parce que le petit a grève de cantine. Et elle, Angel, il doit venir faire l'entretien de chaudière cet après-midi. Du coup, elle était au téléphone avec moi. Et elle est toujours en train de râler, cette fille en plus. Oh! Donc, j'ai tout reposé. Donc, deuxième partie du fauteuil y a été fait, mais je ne voulais pas filmer. Les cadres et tout, hop, hop, ça a été fait. Là, j'ai enroulé ma guirlande lumineuse dedans. Vous voyez, attendez, je vais allumer. Attendez, hop. Et j'ai mis des gouttes de l'huile essentielle dans mon pot pourri. Puis ça sent bon à ma maison. Vous voyez? Comme ça, au soir, on allume. Et puis, j'ai mis ma petite tête boudin comme ça. Ce soir, je vais regarder ma télé. Comme demain, il n'y a pas l'école, je vais regarder ma télé. Donc, tout ce coin-là, il est fait. Fauteuil bougé. Tout ce coin-là, il a été fait poussière bouger. J'ai fait mon carreau intérieur avec le pitch rose de chez Action. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Donc, je l'ai fait. Bon, là, de toute façon, je dois faire. Mais ça marche parce que, alors, je ne sais pas si vous allez voir. Là, elle est nickel. Et là, elle est pleine de doigts. Parce que j'ai fait qu'une fenêtre. J'ai pas fait celle-là. Mais de toute façon, au printemps, là, bientôt, je vais les faire. Là, je crois que le mois prochain, je vais tout déjà. Au mois de mars, souvent, on a des belles journées. Je vais tout faire. Au moins tranquille. Donc là, c'est fait. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Donc là, regardez sur le meuble de télé. C'est fait. Donc, j'ai changé ma déco. Donc, dites-moi en commentaire si vous préférez comme ça ou avec les trois petites valises qu'il y avait dessus. J'aime bien le changement, moi. J'aime bien changer, changer, changer. Mais monsieur passe toujours derrière moi et puis il change tout le temps. Donc, voilà. Donc, tout le coin. Alors, mes joints, ça y est, voilà. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez? Hop. Voilà, donc voilà, tout le coin cuisine, là, il est fait. Donc, il me reste à faire. Ben là, j'avais fait le printemps dernier, regardez, il y a encore. C'est encore un peu blanc. Hein. Donc, il me reste tout le coin, là, en fait, tout le coin salon. Voilà, il me reste à partir de d'ici, voilà, d'ici et tout le coin salon. Bon, ça va aller vite. Hier et aujourd'hui, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça et tout ça. Donc là, c'est le bordel dans la cuisine. Je vous fais un tour. Parce qu'en fait, là, je vous tourne pour 2 jours, en fait. Je crois que la partie là, ouais, je vais vous l'aurai demain. Ouais. Demain, comme ça, demain. Mais demain, je suis embêtée. Je ne sais pas quoi faire, en fait. Enfin, bref, enfin, je verrai. Donc, j'ai tout enlevé sur mon vaisselier pour faire les poussières. Donc là, c'est le bordel, 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 bordel. Et là, j'ai quand même lavé avec le seau et le raclo parce que comme j'avais passé le balai vapeur sur mes joints avec le produit tout, ça m'a fait plein de traces. Du coup, j'ai tout renettoyé à la serpillière. Je vais laver tous les microfibres. De toute façon, tout va passer à la machine à laver. Et puis voilà. Donc, Alan, il va plus tarder. Il a fini à 10 h, mais il m'a appelé. Il m'a dit, je peux aller au site avec mes copains ce que midi. J'ai dit, ouais. Donc, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vais faire le montage tout de suite. Et je vous le mets sur YouTube. Donc n'oubliez pas, dites-moi en commentaire si vous préférez la déco comme ça. Ou avec mes trois. Ou alors comme avant qu'il y avait mes trois valisettes. Donc là, c'est le bordel parce que je dois faire mes poussières de là-bas. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Alors le live, alors vous avez 2 questions. Dites-moi pour le live, 10 h 30. Bon, pire, 11 h. Donc dites-moi s'il vous plaît comme ça. Je vais voir en fonction de vous en fait.
Parce que, comme je vous ai dit, j'ai l'esthéticienne qui vient pour 13 heures. Donc, après, on peut le décaler à jeudi, si vous voulez que Alani est là demain. Sinon, éventuellement, on peut le faire jeudi. Jeudi en début d'après-midi. On se dit 13h30. Mais je serai toute seule. Donc, à vous. Donc, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, mes petits chats, parce qu'il faut répondre à mes questions. Je vais le faire exprès, maintenant, toujours poser des questions à la fin. Comme ça, vous allez regarder jusqu'au bout. Parce que vous allez dire, ah, peut-être que Nathalie, elle va poser des questions. D'accord? Allez, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure avec moi. Je change. D'habitude, je dis une nouvelle vidéo, là, une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure avec moi. Bisous, bisous. Et à demain. Je vous adore. Bisous, bisous.